Voici comment utiliser l'outil tampon. L'outil tampon se trouve ici. Vous avez la possibilité de le paramétrer en faisant un clic droit pour changer l'épaisseur du pinceau et surtout sa dureté, ici de 100. Avec Alt, vous allez pointer l'endroit de départ de la duplication, ici la tête de la personne, et vous voyez que ça vous crée un pinceau qui duplique le contenu visé. On voit que le bord est très dur ici, la dureté est trop dure. En faisant un clic droit, on peut passer à une dureté de 20, qui est beaucoup plus adéquat pour une duplication. Ici, le point de départ va être la pointe du bateau, donc Alt, clic ici. Et on voit ici que ce que je duplique a un contour qui est beaucoup plus doux. Donc je vais pouvoir faire Alt, clic sur la tête de la personne, et venir ici dupliquer le bateau dans l'eau. Cette duplication est destructive, c'est-à-dire que les pixels ont été copiés dans le calque de l'arrière-plan ici. Il aurait probablement été mieux, donc on voit ici les pixels qui bougent tous, il aurait probablement été mieux de créer un calque et d'utiliser le tampon, de bien vérifier que le calque nouveau est sélectionné, que l'échantillonnage est sur tous les calques, et maintenant je peux cibler par exemple la tête ici, venir dupliquer le bateau là, et je suis en train de copier les pixels sur ce nouveau calque, et donc ils sont indépendants du calque du fond, et donc je vais pouvoir redéplacer mon bateau librement. Ce qui n'était pas le cas avant.